Hey, salut, j'espère que ça va. Regardez, je ne vous l'avais jamais montré, mais la petite maison de Clémence commence à ressembler à une petite maison, en fait. Clémence est endormie, nous sommes jeudi, il est 2h24 du matin. Nous avons un jour de congé aujourd'hui, donc peut-être que nous allons partir à la chasse aux grenouilles. Afin de compléter notre collection, peut-être même de la finir, ce serait cool. Clémence vieillit dans 5 jours, elle deviendra adulte. Et pour le moment, elle a un petit creux. Eh bien écoute, va prendre le petit déjeuner, tu vas te faire des pancakes, ça va être sympa. Je ferai bien quelques travaux aussi. Je vais attendre la prochaine promotion, qui ne saurait tarder. Puis, je referai la chambre, parce que là, un petit lit de camp... Maintenant que tu entretiens une relation avec Yann, d'ailleurs. Oh, vous êtes amants, voisins, très bien. Eh bien, voilà, je me suis dit, peut-être un grand lit, ce serait cool. Il pourrait venir dormir ici de temps en temps. Est-ce que tu peux laver tes affaires, s'il te plaît? Tu regardes le sport? Ensuite, toilette... Et ensuite, tour de grenouille. Non, jardin peut-être aussi. Salut chérie, ça te dit qu'on regarde un film ensemble? On peut même se commander à manger si tu veux. Ben, je veux bien, oui. Allez, on bouscule l'emploi du temps. Il m'a appelé chérie. Hey, je suis trop contente de te retrouver autour de la tombe de ton père. On se le regarde, ce film. Qu'est-ce que vous regardez? Une émission de télé-réalité? Ouais. Bon. En tout cas, au niveau de la tenue, ils sont pas mal assortis. Ils ressemblent vraiment à Alice. I'm a tough and nor. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, il se vante un petit peu. Attendez, vous allez trouver un terrain d'entente. C'est pas possible de... On va s'excuser. Oh! On va s'excuser au lit? Non. Allez. On va lui dire de surmonter ses complexes. Et puis on va l'embrasser. Et on va faire connaissance parce que je ne sais pas comment il est, ce garçon. Je ne le connais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Tu me réponds pas? J'aimerais bien savoir ce que tu fais comme boulot. Il veut pas me répondre? Bon. Écoutez, c'était pas mal. Lui, il est parti à l'étage. Je ne vais pas insister. Je vais aller me chercher quelques grenouilles. Oh, salut bébé, t'es dispo? Tu me manques, j'ai envie de te voir. Tu veux passer me voir là, maintenant? Écoute, je viens de rentrer chez moi, donc pas tout de suite, bébé. Je pense que Clémence ne s'occupe pas suffisamment bien de son jardin. C'est terrible. Et puis il y a un truc qu'elle a mangé qui passe pas. Ça, c'est très clair. Elle va peut-être devoir aller vomir. Ah, ça va mieux. Elle porte du parfum? Mais comment? Pourquoi? Je ne savais pas. Petite coquine, va. Oh, mais regardez qui voilà. Il est pas un petit peu collant, ce garçon? Bon, je vais lui ouvrir quand même. Allez. Vas-y, rentre. Elle l'aime bien. Ah, relation sexuelle? Eh ben écoutez, pourquoi pas? D'abord, je veux savoir ce qu'il fait comme boulot, s'il vous plaît. Il est employé au service du courrier. Ah, c'est pas terrible. Bon,
tu as envie d'avoir des relations sexuelles. Et moi, je dis peut-être qu'une petite douche avec Yann, ça pourrait être sympathique. Par contre, ce serait bien qu'il ait de quoi se protéger. Sinon, je vais être obligée d'en acheter. Parce que pour le moment, le bébé n'est pas prévu du tout. Ouais, super. Ce n'est pas une image qui donne très envie, en fait. Elle pourrait nettoyer ses toilettes avant d'utiliser la douche. J'aime beaucoup ce garçon. Je le trouve très mignon, même avec des boutons. C'était très sympa, mais c'est l'heure pour moi de rentrer au bercail. Tu voulais pas t'habiller avant? Parce qu'en fait, je sais que t'es mon voisin, mais tu es tout nu. Ok, on va faire le point sur les grenouilles. Il faut que je fasse quelque chose pour ce tableau. Parce qu'elle va pas avoir la visite du clown tous les jours, ce n'est pas possible. Voyons voir où nous en sommes. Oh, ce n'est pas mal, qu'est-ce qui me manque? Alors, une terre à pois, ça veut dire que ça c'est une aubergine rayée. Il me manque une aubergine rayée. Terre rayée avec une aubergine. Et je l'ai pas eu. 19 sur 25, c'est quand même pas mal. En revanche, 21h22, on va peut-être essayer d'aller quelque part pour chercher des nouvelles grenouilles. On y va seul et on va se faire le tour du parc à Oasis Springs. Allez, rapidement. Il y a pas mal de trucs par ici. Oh, bah oui, c'est le poulet que t'avais commencé avec Alice. Ça fait un moment, on va peut-être pas le manger, si? Bon, si tu veux. Oh, ça a l'air bon. Allez, une petite portion et après, on rentre à la maison. Il est quand même 2h du mat, quoi. C'est pas l'heure de manger du poulet dans un parc. Allez, file. Petit tour dans l'inventaire, nous allons envoyer tout ce qu'il y a à envoyer. Nous allons ouvrir... Oh là là, on a pas un truc. Allez, ouvre. Je reçois plein de nouveaux trophées. Ouvre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, on envoie. Reproduction. Non, c'est pas le moment. Eh ben écoutez... On va aller se coucher. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire les ventes. Attends, si tu pouvais juste désherber ça rapidement, je sais, je t'en demande beaucoup. Il est 2h30. Oh, il est 3h. Pipi, au lit, demain, tu travailles. Et pendant que Clémence se repose, moi, je vends. Comme prévu, je n'ai pas vendu mes fruits ni mes légumes. Je les mets dans mon frigo. J'ai vendu tous mes trophées My Sims que j'avais en double, tous les éléments que j'avais en double, les fossiles, les grenouilles que j'avais en double. Et je suis montée à 2116, donc c'est quand même pas mal. On va attendre que Clémence se réveille. Nous travaillons à 18h, ça va, tranquille. On va quand même faire un petit peu de ménage aujourd'hui. Je crois qu'il y en a besoin. Allez, tu nettoies. Tu nettoies. Un rancard. Au bar. Je ne sais pas. Non, attends, laisse-moi. Aujourd'hui, je ne te vois pas parce que j'ai des choses à faire. Allez, je voudrais une cœur surfeuse. Ratée. Yann, tu commences à être un tout petit peu étouffant. Ne m'oblige pas à devenir violente. Pour le moment, nous sommes très concentrés à la chasse aux grenouilles. Car je mise tout sur la collection de grenouilles. Alors, voyons voir. 19 sur 25. Va te manger des restes. J'aimerais bien que tu appelles Alice aussi. Parce que ce n'est pas parce que tu vis une idylle avec son frère qu'il faut arrêter de lui parler. Le voilà. Il est toujours là. Il est. C'est un petit peu ennuyeux quand même. Oui, bah elle ne lui répond pas. Après, c'est à elle de voir, mais bon, elle fait sa vie. Je ne lui demande rien. C'est l'heure d'aller au travail. Elle lui passe au travers. Bon, normalement, il devrait avoir compris le message. Allez, boss, ma fille, on a une promotion à obtenir.
Oh oui, chef de partie. Elle gagnera désormais 8 simflouz de plus par heure, soit 43 simflouz de l'heure au total. Elle a reçu 556 simflouz, un îlot des nouveaux vêtements. Oh ouais, bravo. Alors, eh bien écoute, va te coucher pour la dernière fois dans ton lit de camp. Et demain, lorsque tu seras au travail, moi, je me chargerai de faire quelques travaux. 10h du matin, prends quelques restes car tu as faim. Il m'appelle encore. C'est mignon, remarque. Ensuite, nous irons aux toilettes, faire un petit tour de jardin. Oh, une grenouille pendant que j'y pense. Oui, nous avons une terre tourbillon, nous ne l'avions pas. 20 grenouilles sur 25. Parfait. Un petit tour de jardin. Ok, tu. Louis Bertrand, tu es super blond, Louis Bertrand. Oh, même pas. Niveau 6 de la compétence jardinage. Nous allons bientôt travailler. Je voudrais que tu désherbes. Bah, Alice aura été avec plaisir, mais je vais au boulot dans 3 quarts d'heure. C'est un peu trop court. On vend les grenouilles en double. On envoie les éléments. Et on met nos légumes au frigo. Allez, c'est l'heure du boulot. Clémence, lorsque tu reviendras, ta maison aura un petit peu changé. Alors voilà, j'ai profité du fait que Clémence soit au travail pour améliorer un petit peu la maison, mais aussi le terrain. Je n'étais plus satisfaite de ma peinture de terrain, donc je l'ai refaite. J'ai dépensé tous les sous, ou presque. J'ai rajouté des petites fleurs du débogage. Et, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une autre porte! Eh bien oui, laissez-moi vous faire une petite visite de cette pièce mystérieuse. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la cave. Et oui. Eh bien, en descendant à la cave, nous nous apercevons qu'il s'agit d'une petite pièce, une cave, voilà. Et qu'on a stocké le lit, rappelez-vous, on ne vend pas les objets dont on se débarrasse. Et on a aussi stocké cette peinture immonde du clown triste. Et à un moment, ça va. C'est quand même de très mauvais goût, on est d'accord. Du coup, nous allons regarder un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de la maison. Ici, eh bien, ça n'a pas bougé. Nous retrouvons la même petite kitchenette, le même coin salon. En revanche, la salle de bain a été un petit peu agrandie. Rien d'autre n'a été touché. C'était juste histoire d'avoir un extérieur harmonieux. Par contre, le grand changement va se situer dans la chambre. Un lit double, une nouvelle tapisserie, une nouvelle fenêtre, 2 petites tables de nuit avec lampe de chevet. Et lorsque nous nous avançons, de quoi ranger ses habits et quelques petites décorations. Eh bien, bougies, livres, ça c'est la rose que l'on a eue après notre rencard. Et on a quand même acheté des choses intéressantes, une boîte de préservatifs, on ne sait jamais. Et des pilules pour les douleurs de règles, ça peut être utile aussi. Moi, je suis assez contente du résultat. J'aime bien cette petite maison. On va attendre que Clémence rentre du travail. Elle ramène 344 simflouz. Eh bien, va te doucher. Tu te prends des restes. Tu vas également nettoyer ce qui traîne. Et puis, un petit peu de bricolage. Oui, c'est divertissant et ça t'apprend. C'est parfait. On va faire ça avant d'aller se coucher.
Niveau 5 de la compétence bricolage. Nous sommes à mi-chemin pour aller à la grotte oubliée. Par contre, allez, va dormir. T'es contente d'avoir un bon lit? C'est quand même un environnement plus agréable, tu ne trouves pas? La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'elle n'est pas enceinte. Allez, nous partons à la chasse aux grenouilles. Oui, bah tiens, Alice, tu peux venir si tu le souhaites. Je vais juste ramasser celle-ci et celle-ci. Et après, je suis à toi. Ouh, c'est bientôt l'anniversaire de Clémence. Nous ne sommes pas en avance. Par contre, elle a super grossi. Non mais... Ah, vas-y, c'est pour ton boulot. Niveau 5 de la compétence cuisine. Mon copain me demande si je veux aller à un rancard. Je travaille dans 2 heures. Allez, c'est parti. 22 heures, retour du travail. Et nous allons nous occuper un peu du jardin. Même si ce n'est pas 1 heure pour s'occuper du jardin concrètement. On arrose, on récolte et on retourne lire un petit peu de bricolage. Pendant ce temps-là, je mets tes fruits et tes légumes au frigo. Et je vends tes grenouilles. Ah, tu as tes règles. Normalement, tu as de quoi? Ils sont où tes tampons? T'en as plus? Déjà? Peut-être que tu ne les as pas reçus. Ah bah non, mais c'est vraiment dommage du coup. Bon, alors déjà, tu vas te prendre tes petites pilules, ça ira beaucoup mieux. En revanche, j'ai pas de serviette. Va dormir. C'est pas terrible cette histoire. Va aux toilettes. Nous avons des factures. Oui, 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 ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Indigestion? Oh là là là, diarrhée. Purée, c'est pas possible. Avec quoi tu as eu une indigestion, Clémence? Tu es chef. Va vomir. Oui, alors nettoie quand même. Ah bah oui, alors lui, il tombe mal. Allez, on va y aller. Bonjour, vous. Je vais utiliser ton ordinateur. Ah bah dites donc, déjà. Je voudrais, s'il vous plaît, des tampons et des serviettes. J'en avais acheté 2 boîtes, hein. Seront livrées dans sa boîte aux lettres. Bah voilà, moi j'ai rien eu dans ma boîte aux lettres. Ou alors je les ai vendues? Non. Tout le monde est tout nu dans cette maison, c'est terrible. Bon, Alice, on se connaît bien, mais quand même, tu pourrais te couvrir le cul, non? Et Clémence part au travail. Elle n'est pas en très bonne forme. Mais ça va passer. Ok, Clémence est rentrée. Il faut absolument s'occuper de ce jardin. Elle ne peut pas. Allez, alors hygiène, vas-y, prends une douche. Et ensuite, s'il te plaît, je voudrais que tu sois capable. Oui, tu pourras. De désherber. Oh, non, tu ne peux pas. Ben, on le fera demain. Allez, au lit. Et c'est sur cette image que je vais vous laisser pour cette fois. Car demain, grosse journée, c'est l'anniversaire de Clémence. Elle devient adulte et je voudrais organiser une fête d'anniversaire puisque c'est l'un des objectifs. Du coup, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut !